Mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, si tu es à la recherche d'une opportunité qui va te permettre de gagner des bitcoins sans toutefois investir, alors là, tu es tombé sur la bonne vidéo. Mais alors, avant de nous lancer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et de me laisser un petit commentaire en bonus pour moi, n'est-ce pas? Ok, alors les amis, pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler des CryptoTables, voici, je vous présente cette plateforme. C'est un navigateur, donc un browser, voilà, qui vous permet de miner les bitcoins pendant que vous l'utilisez. Alors, comment l'utiliser? Tout simplement, à la place, et je vous dis, CryptoTables, c'est le navigateur de minage de bitcoin de Google. Voilà, donc juste pour vous montrer la fiabilité de la chose. Voilà, et donc, comment ça marche? Je vais vous inviter tout simplement à télécharger, à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, je vais le mettre en description et en premier commentaire. Cliquez sur la vidéo, sur le lien de excusez-moi, cliquez sur le lien, téléchargez CryptoTables. Utilisez-le comme navigateur par défaut, c'est-à-dire laissez tomber Edge, laissez tomber Google normal, utilisez CryptoTables, activez la vitesse de minage, c'est-à-dire quoi? Quand vous avez fini d'installer votre logiciel, voici la vitesse de minage ici, il suffit juste de la mettre soit au milieu, soit à max. Donc vous pouvez modifier la vitesse de minage en fonction des capacités de votre machine. Voilà, donc ça, c'est d'un. Comment l'avoir? Maintenant, pour ceux-là qui se disent, qu'est-ce qu'elle nous raconte même? Est-ce que c'est vrai ce machin? Alors oui, juste pour vous montrer ce que moi, j'ai déjà gagné avec le navigateur CryptoTables seulement sur cet ordinateur, bien sûr, parce que j'ai un autre compte. Alors, ici, vous pouvez voir qu'au total, j'ai déjà miné 182$. Et ça, c'est parce que je ne mine même pas tous les jours. Et maintenant, je pense que je vais le laisser tourner pour montrer aux gens que ça marche. Alors, réseau de minage. Je vais venir de ce côté-ci. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ici combien j'ai dans mon compte, pas combien j'ai déjà miné au total. Ici, ce que mon réseau de minage a produit. Sachez que pour gagner avec CryptoTables, il faut juste faire sa promotion. Voilà un truc, un MLM qui vous paye cash. Faites la promotion. Créez-vous un réseau de minage. Encouragez les gens à utiliser CryptoTables et vous allez vous faire, vous allez miner plus rapidement et donc gagner de l'argent plus rapidement sans investir un seul centime. Voilà, donc le multiplicateur de revenus, donc au total, vous pouvez voir là que j'ai déjà gagné, comme je vous l'ai dit, 182$. Miné moi-même personnellement, seulement 9$, donc à peine 10$ que moi-même j'ai miné. Donc c'est le réseau qui travaille, donc c'est pourquoi il est important de vous forger un très bon réseau de minage. Voilà, aussi, il y a une autre façon de miner ou de gagner des bitcoins, c'est d'utiliser le lien court, c'est-à-dire quand vous voulez le raccourcisseur des liens de CryptoTables qui est cb.click. Vous pouvez l'utiliser et quand vous l'utilisez aussi, il vous fait gagner de l'argent. C'est-à-dire votre machine n'a pas assez de performance pour vous faire miner assez rapidement. Ce que je veux vous recommander, là, vous allez devoir investir parce que investir sous-entend que vous, vous êtes intéressé par le minage et vous voulez y investir pour miner encore plus vite. Alors, vous venez dans CloudBoost pour activer le minage en ligne. C'est-à-dire, le CloudBoost utilise... le matériel, c'est-à-dire les équipements de CryptoTables pour vous miner vos bitcoins. Voilà, ça signifie que les ressources de votre machine à cet instant-là ne sont pas utilisées. Ce sont les ressources de CryptoTables qui sont utilisées, les serveurs de CryptoTables qui sont utilisés à cet effet-là. Donc, pour ça, il faut investir. Et pour le faire, on va le voir très rapidement, pour ceux-là qui souhaiteraient vraiment investir dans le minage, avec Google, vous pouvez voir comment ça se passe. Donc là, vous pouvez payer en Bitcoin. On vous dit combien vous gagnez par mois, combien ça vous coûte en fait. Voilà, voilà combien ça vous coûtera par mois si vous voulez multiplier votre vitesse de minage par 10. Voilà ce que ça vous coûte si vous voulez multiplier par 15, etc. Mais maintenant, il y a une promotion actuellement que je t'invite à ne pas manquer surtout. Voilà, c'est le minage, le CloudBoost Lite. Donc deux fois... augmenter deux fois ta vitesse de minage et c'est actuellement en promotion et pour bénéficier de la promo,
Il faut simplement inviter deux personnes. Dès que deux personnes auront installé CryptoTab et l'utiliseront comme navigateur par défaut via toi, alors là, tu gagneras CloudBoost x2 et tout ceci pour une durée de 30 jours. Donc, voilà, top, le chrono est lancé, tout simplement. Donc, je pense que là, on est bon pour ce qui est du minage. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux-là qui veulent investir dans le minage, tout simplement, CloudBoost, on va faire un essai. Continuer. Bon, moi, je vais miner même par 15. Hein. On va rentrer en arrière. Ok, je vais revenir là. Donc, activer. Continuer. Moi, je vais multiplier ma vitesse de minage par 15. Donc, voilà. En une année, vous pouvez décider de prendre l'année, d'activer le boostage sur un mois, sur 6 mois. Voilà ce que ça vous revient. En une année, vous avez 50% de réduction. Ce que je vous recommande, si vous pouvez et que vos moyens vous le permettent, osez le faire, c'est mieux encore. Donc, payer en BTC. Bon, voilà, moi, je vais payer. Voilà, je viens de payer. Donc, vous avez deux possibilités quand vous êtes sur cette page. Soit, vous cliquez sur ouvert dans le portefeuille, c'est-à-dire ouvrir directement depuis votre portefeuille et faire la transaction à défaut. Dès que c'est fait et que vous l'avez fait par autre moyen, vous cliquez sur « J'ai payé », puisque moi, j'ai fait. Voilà, vous cliquez sur « J'ai payé ». Donc, les amis, dès que le CloudBoost est validé, dès que le paiement est validé, vous voyez ici, ça s'affiche au niveau de votre back office, CloudBoost, prêt. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement l'activer ici. On vous dit temps restant 3 heures. Donc, quand vous l'activez comme ça, il tourne. Après 3 heures, il se désactive. Donc, vous devez, après chaque 3 heures de temps, activer votre CloudBoost. Sinon, vous aurez payé. Voilà, c'est vous qui êtes perdant. Donc, il faut de temps en temps l'activer pour que le boostage en ligne continue de tourner pendant que, même si votre machine est éteinte, le CloudBoost vous permet de booster malgré que votre PC ne soit pas allumé. C'est ça l'avantage aussi. Vous allez juste voir l'argent qui tombe. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé et que maintenant, chacun va cultiver, miner ses bitcoins sans problème. Alors, si la vidéo vous a aidé et vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, liker, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao!